Salut à tous, c'est ZabiGio972 et aujourd'hui on se retrouve pour apprendre à se connecter en contrôleur tour sur IVAC. Donc en premier, pour avoir IVAC, il vous faudra aller sur le site ivo.fr de la section ressources, logiciels et ensuite descendre et télécharger IVAC. Donc vous allez cliquer ici. Ça va se charger. Et vous allez prendre la dernière version. Bien sûr, vous pouvez contrôler que si vous êtes inscrit sur ivao.fr. Voilà. Donc, vous avez téléchargé, vous l'avez installé. Vous allez l'ouvrir. Ah, bug. Vous allez l'ouvrir. Donc, vous faites double clic. Vous faites oui. Enfin, vous acceptez. Ensuite, une fois qu'il est ouvert, vous aurez un truc comme ça du style. Et vous aurez un truc comme ça, mais de notre pays. Donc, pour déjà avoir ce que j'ai là, il vous faudra aller toujours sur ivao.fr, dans contrôleur et aller dans quoi déjà? Dans fichier secteur. Ben oui, il faut le fichier secteur pour contrôler l'endroit où vous voulez contrôler. Donc il y a tous les fichiers secteurs des aéroports français et étrangers aussi, j'espère. Voilà. Donc moi j'ai pris celui-là parce que je contrôle la Martinique. Donc ensuite, une fois cela téléchargé, vous allez dans ordinateur, disque local C, programme file, IVAO, IVAC, secteur file, fichier secteur, et vous déposez le fichier que vous avez téléchargé, le fichier secteur que vous avez téléchargé sur IVAO du moins ici. Voilà, donc après ça vous fermez, vous faites PVD, load sector, du temps de chargement, et vous choisissez l'endroit où vous choisissez le fichier secteur que vous voulez selon l'endroit que vous voulez contrôler. Donc moi en l'occurrence c'est la Martinique, donc Pierrot. On fait ouvrir, hop, il me l'a ouvert. Donc j'ai la, enfin, toutes les îles de la Caraïbe, c'est beaucoup dire, vous aurez compris. Ensuite vous aurez plusieurs petites fenêtres. Ça c'est la fenêtre ATC pour savoir quelles sont les ATC ouvertes. Ça c'est l'onglet pour savoir s'il y a des avions qui partent ou qui arrivent. Là c'est la combox, il y avait le meter, guard, ATC, broadcast et message. Donc vous me voyez faire ça, mais ne le faites pas, c'est parce que c'est pour vous montrer quelque chose. Je me suis raté. Bref, c'est pas grave. Alors, on va se connecter. Donc, vous cliquez sur connect. Je vous mettez la position que vous voulez ouvrir. Donc, moi, c'est la tour de Martinique. Donc, je mets TFFF, trade 8, TWR pour tour. Ensuite, vous mettez votre vrai prénom ici. Là, c'est écrit Real Name. Ensuite, là, le mot, le VID. Et le mot de passe Ivan, et vous cliquez sur remember me, enfin remember VID / password. Ensuite vous cochez l'onglet voice, c'est pour dire que vous avez un micro et que vous pouvez parler pour votre trafic. Ensuite vous mettez un serveur, donc moi je vais prendre n'importe, et vous faites connect. Voilà, une fois cela fait, vous avez un message pour dire quel grade vous êtes. Bien sûr, une fenêtre TeamSpeak va s'ouvrir. Donc, passons à la deuxième partie. Partie TeamSpeak. Donc, pour TeamSpeak, member joined, member joined. Une chaîne. Channel en anglais. Donc, vous faites Channel, Create Channel. Vous la nommez le nom que vous êtes.
Coupez votre call scene. Comme cela, vous faites create channel. Switched channel. Et une fois sur votre channel, vous mettez, vous passez en channel commander en appuyant sur self channel commander. Voilà. Ensuite, vous avez terminé avec tout ce qui est TeamSpeak. Faites moins. Pour changer cette fréquence ici là, dans la logique vous aurez 122 décimal 800, mais bon, moi c'était déjà comme ça parce que j'ai contrôlé il y a pas longtemps. Donc vous faites double slash, je vais changer la fréquence, je vais mettre 122.800 et ça va changer ma fréquence en 122.800. Donc selon là où vous voulez contrôler, il y a une fréquence à respecter, bien sûr. Hein. Ça ne se fait pas comme ça, mais je vais vous montrer où est-ce qu'on prend les, comment dire, les fréquences pour les fréquences pour, ah, j'ai un truc qui est pas bon là, bref, les fréquences pour que vous, alors les fréquences pour que vous contrôliez que les pilotes arrivent à vous connecter, à vous contacter. Donc vous êtes connecté, pépère, voilà, en attente de trafic et tout. Et c'est pas fini. Là vous avez le métal. J'espère que vous savez le lion. C'est pas si difficile. Donc là, donc à partir de auto, vous avez les derniers vendus 0,60 degrés pour un nœud. Donc en gros ils sont faibles. Ça je sais pas. La visibilité supérieure à 10 km. Quelques nuages au niveau 0,17. Des nuages, quelques nuages épars au niveau 180, le point de rosée, la température et le QNH. Mais quand vous êtes connecté en contrôleur tour, vous devez remplir une ATIS. Donc vous cliquez sur ATIS et vous avez cela. Facile. Donc là vous mettez bien TWR si vous connectez en tour, ou APP ou Dell ou Ground. Donc GND. Alors dans mes temps station, vous mettez le code OAC de l'aéroport où vous êtes. En gros, en Martinique, c'est TFFF. Tango, Foxtrot, Foxtrot, Foxtrot. Vous mettez sur quel sur quelle piste d'école. Donc en Martinique, c'est la 10. 10, 41. 10. Et l'atterrissage, c'est à 10. Il y a l'Est, toujours, piste 10. Parce que en Martinique, la piste 21 est fermé. Donc ensuite vous avez le niveau de transition qu'on trouve sur les cartes, ainsi que la que les fréquences qu'on trouve sur les cartes aussi. Vous faites OK, tout cela est fait, vous êtes connecté en tant que contrôleur tout et vous attendez. Excusez-moi, ce n'est pas fini. Ensuite il vous faudra aller sur la SIA Groove, aller dans IP Card. Ensuite, ça va charger, ça va charger. Vous allez cliquer sur publication de formation aéronautique. Et selon l'aéroport que vous serez, vous allez entrer le code OAC. Donc moi, c'est en Outre-mer, dans la Caraïbe. Donc c'est Tango, Foxtrot, Foxtrot, Foxtrot. Martinique, en gros. Vous faites OK. Et ça vous ouvre les cartes. Donc les codes qui vous seront utiles, c'est les codes d'arrivée, de départ. Ouais, surtout la code de départ parce que c'est là qu'il y a le niveau de transition. Vous avez besoin de cette carte, la carte de, du plan de l'aéroport. Pour si jamais vous êtes contrôlé en tant que sol. Mais bon, pour la tour, on n'avait pas besoin. Sauf dans les pays où il n'y a pas de contrôle sol, comme en Martinique. Ensuite vous avez besoin de ça, celle du parking, pas de ça, ça c'est pas important, les cartes VFR si je me trompe pas, là les altitudes à respecter dans les secteurs. Vous avez exactement la même chose ici, 7000, 6000, 2000. Donc ça c'est les altitudes à respecter que vous allez donner aux gens qui voudront atterrir sur votre aéroport. Reprenons les cartes. Ensuite, je n'ai pas fini. Ensuite, sur les cartes,
Le départ de la piste est 10. On est en Martinique, donc c'est normal. Vous avez ici la fréquence de la tour, 118,5. On va zoomer un peu. Allez, zoom. Voilà, vous voyez mieux. Vous avez 118. 118,5, en gros 118 points, 118 décimales 500, et pour l'approche c'est 121 décimales 0 en gros. Et pour le niveau de transition, vous le prenez ici, là où c'est écrit TA. Voilà, ensuite vous aurez besoin de bon, des cartes d'arrivée. Vous n'aurez pas besoin parce que vous contrôlez la tour, et quand les avions arrivent pour la tour, ils demandent juste l'autorisation d'atterrir. Pour l'approche, il vous faudra les cartes d'arrivée, vos instruments et tout et tout. Donc, je vais vous montrer les cartes. Quand où trouver les cartes, où trouver le logiciel, comment vous connecter, remplir un ATIS, les niveaux, lire un métal. Je crois que je vous ai tout montré. Et c'était The Big Joy. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. A plus.